Eh bien, bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Vincent, avec Clément. Comment ça va, les gars? Bah, ça va très très bien. Ça va super, hein. Il est tôt le matin, j'aurais dit venez vous faire éclater, ils savent pas pourquoi. On a dit ok, hein. Donc, c'est la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs mois qui s'appelait Tu reçois une notif, tu te fais tirer dessus. Que j'avais fait avec Léonard et Alex. Ça m'a saoulé déjà d'entendre ça. Et là, ça part encore plus loin, vous allez voir, c'est franchement, vous allez vous faire encore plus plaisir en regardant ça, bien sûr. Le principe, c'est quoi? Simplement, on a nos téléphones ici à nos pieds là. On va envoyer en fait des messages des numéros inconnus. Donc, 06, 32, ce que tu veux, machin. Genre, comment vous allez, simplement, un numéro totalement random. Et le premier qui a une réponse, et ben simplement il a un gage. Il y a en tout 6 étapes dans la vidéo, donc 6 gages différents. Évidemment, ça va à chaque fois de plus en plus hard, entre guillemets, de plus oui, en plus crescendo. J'imagine. Mais vous allez voir, c'est pas que des trucs un peu physiques de combat. Il y a vraiment de tout type. Mais je vous dis, je suis pas au courant de tout aussi, donc je vais découvrir des trucs. C'est parti, gros. Vas-y, donc si vous êtes chaud, les gars, on peut envoyer, vous rentrez des numéros au hasard dans votre téléphone, et avec un peu de chance, ils vous répondent pas. La dernière fois, on avait tourné dans l'après-midi. Là, il est 9h45, donc est-ce que des gens répondent à ce moment-là? Là, c'est lycée, boulot, normalement, c'est chiant. Ok, vous êtes chaud. Déjà, j'ai pas présenté Thomas aussi. Salut. Salut Thomas. Ça va la zone? On dirait le daron au bord du terrain qui arrête son fils jouer. Mais ouais, ça. Hein. Bon, attends, j'ai mis trop de numéros là. 06 72 60. Ouais, je sais plus comment écrire un numéro. J'envoie Joël Noël pour info. Ah, mais Joël Noël, c'est sûr que personne répondra. Ah, mais t'as déjà envoyé là? Bah oui. Ah oui, pardon, je suis con en fait. Mais c'est pas bien pour moi justement. Bah non, ouais. Je suis très con d'ailleurs. Prenez pas votre temps, les gars. Bonne fête de fin d'année à toute la famille. Ah ouais, tu sais que c'est pas con ça. Très fort. À toute la famille, ça fait plus. Genre, tu la connais. Tu t'es saboté, ah ouais, ça donne trop envie de répondre. En fait, c'est ça le problème. C'est que je réfléchis en mode trop gentil. Je suis sûr elle va répondre la personne, tu vois. Je te donne 1000€ si tu me réponds. Là, je suis vraiment trop gentil. Hein. Salut Max, est-ce que tu peux me filer le cours de français? J'étais malade hier. Oh, c'est bon ça. Les gars, je vous conseille de pas lever la tête parce que je crois qu'on a un aperçu du prochain happening. Non, mais c'est pas stressant du tout. C'est chiant par rapport à la ceinture noire. Ah oui, elle est noire la ceinture, oui merde. J'espère que ça va pas me répondre du coup. Moi, j'ai envoyé gros, tu peux me rendre mon portable? Mais ça, c'est hyper drôle, mais... Très beau dégradé en plus. Merci beaucoup. J'ai envoyé le pire message de la vie. J'ai envoyé salut mon ami, j'ai zéro inspiration, c'est très nul. Tiens, voilà mon numéro et je lui mets son numéro à lui. Ah oui. Oh, je me réponds sa mère. Ça arrivait très très vite, hein. Comment? En plus, c'est sur le pire message, frère. Le pire message, j'ai envoyé salut mon ami, pour ne pas interrogation. Gros, c'est le pire message. Bah, je crois qu'il est prêt, hein, du coup. Ah, Lucas, je te présente Steven. Bonjour Steven, je suis ravi que tu sois là. De même, franchement, ça me fait trop plaisir de te voir. Mais vraiment, noire la ceinture, t'es... Elle est vraiment noire, ouais. Tu vas essayer de te battre, en tout cas. C'est moi qui me bats avec toi, ouais. Ah, mais attends, c'est trop, là. Attends, mais je suis même pas réveillé encore. Je suis même pas réveillé de ma nuit. Bah, t'inquiète, ça s'est réveillé un peu, je crois. Bah, bon tournage, Lucas. Hein. Et c'est parti. Attends, quoi? D'où c'est parti? Attends. Ah, c'était si dur. C'était du bois. J'ai même pas le temps de dire bonjour. Comment tu vas? Comment tu... Ah, ça finit jamais en plus. Attends. Je vois que de la panique. Attends, mais j'ai vu du judo là, télé, je sais comment ça marche, Ran. Tu lui prends le mollet derrière. C'est l'étranglement là quand même, c'est l'étranglement. Il est rouge à fond, il a mué. Attends, en vrai je vais essayer de le mettre à terre, vous inquiétez pas. Ouais, essayez. Tu prends comme ça, ta grippe là, et là. Et là comme ça là. Attends, mais c'est le matin. En vrai les gars, je me maîtrise. Je le sens bien. Wouah. Ouah, sa mère! Bien tenté quand même, hein! Qui a cette idée de vidéo là, con là? Franchement, je suis bien content d'avoir pas reçu de message. Ah, hein. Oh, je suis mort! J'ai gagné? Ah bon? Bah bravo, je crois. Merci d'être venu. Bon, avec plaisir. Hein. Il arrive plus à aligner deux mots, genre. C'était un très bon spectacle. Je sens des muscles que je chantais pas avant, c'est bizarre, ça m'a réveillé des trucs. Et les amis, allez le suivre sur Insta, merci à toi de. Eh ben de rien. D'être venu et de. J'arrive plus à parler. Quelqu'un peut animer la vidéo à ma place, vite fait là? Stop, petite pause juste pour rappeler à toi qui m'écoute là de t'abonner et d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Ça fait trop plaisir, ça soutient de ouf. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Bon les amis, on enchaîne sur la deuxième manche. Waouh, on est déjà dans la deuxième manche là? C'est très fort ce qui se passe. Et j'ai toujours pas souffle, hein. C'est ça qui est fort. Hein. Restez jusqu'à la fin pour voir si j'arrive à respirer normalement. C'est l'enjeu de la vidéo. Allez gars, bon bah on peut envoyer des messages, hein. Encore là? Ah, on est reparti. J'envoie yo, juste ça maintenant, j'ai plus envie de perdre là. J'envoie, ne me réponds surtout pas. Je me dis que c'est un peu menaçant et qu'il me répondra pas, tu vois. C'est à double tranchant, je pense. Hop, j'envoie ma liste de courses. J'envoie juste que m'acheter du pain. Mais non! Mais c'est faux! J'ai même pas le temps de respirer, j'ai même pas repris mon souffle! Attends, c'est à quoi qu'il m'a répondu? Mais j'ai envoyé mes réponses surtout pas, il m'a répondu d'accord! Waouh! Mais il est con! C'est ouf, la rapidité des gens à te baiser la gueule! Mais c'est fou quand même, j'ai même pas le temps de poser le téléphone, les gars! Bah, moi je le pose en tout cas! Ouais, non, je vais le mettre bien là aussi, hop! Thomas, c'est quoi le deuxième? Dis-moi que c'est pas un truc physique, c'est quoi? Non, c'est un artiste que t'apprécies beaucoup. On va accueillir Petit Voyou. Puis qu'est-ce qu'il fait là? Oh là, attends! Ça va ou quoi? Quel est le rapport avec un ring? Je sais que tu fais un peu de boxe, mais. Je fais de la boxe, mais ça sera pas pour ça aujourd'hui. Ah,
quoi, Zen? Ça mec? Ça va. Attends, il fait peur là, il a un gros sourire et tout. Je vais venir te clasher, bro. Ah ouais! Ah, j'avais pas pensé à ça. Venant d'un pote, ça fait mal. Hein. Ok, t'es prêt ou quoi, bro? Bah, non, attends. Moi, j'ai envie de t'enchaîner direct. Bon, nous aussi, on va le faire, mais physiquement, juste à côté, ouais, t'inquiète. Okay. Patate comme ça. Attends, mais c'est rap contenders en fait là. En fait, je rap contenders, mais tu réponds pas, juste tu fermes ta gueule. Ça commence. On est déjà dans le truc. Venant d'un pote, tu dis mal là. Vas-y, attends. Enchanté, Lucas, bienvenue au jour de ton décès. Ta tête est tellement grosse, frérot. On dirait un PC. Elle est carrée comme un pixel. En plus de ça, tous tes concepts, tu les pompes sur un mixel. C'est trop mignon, tu veux percer, mais les monteurs ont plus de follow. Il faudrait inverser, genre tu montes les vidéos et c'est eux qui les jouent. Parce qu'avec une gueule comme ça, y'a qu'une issue, c'est que tu échoues. Ouais. Oh, bâtard. J'aimerais croire en toi, mais frérot, fais des efforts, t'es coincé. On dirait que t'as un manche enfoncé fort dans le... Non, je ne vais pas dire ce mot repoussant, car ton public est trop jeune, ton public a 12 ans. J'ai osé rien dire tout le long. Là, il faut réfléchir sur ta vie, mec, et prendre des décisions maintenant. Ça fait encore plus mal quand c'est un pote, tu vois. Bon, bah, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là, les gars, parce que je me fais achever physiquement, mentalement. Il me reste plus grand-chose, j'ai plus de confiance en moi. Ça fait très mal, les gars. Tiens, merci pour ce moment. Hein. Bonne vidéo, les gars. Bah, merci, moi, ça me fait plaisir que tu sois passé. Hein. Franchement, c'était un pur bonheur. Vous étiez pas d'accord, vous? Ah, bah, si, ouais. Enfin, non, mais oui. Bah. Deux. Allez, hop là. Ok. Troisième manche, les gars, c'est parti, let's go. Bon bah c'est parti, alors là attends, mais mec, je vais envoyer les pires messages. Pour l'instant on est serein, Clément, mais j'ai peur quand ça va tomber. Là il y a un petit temps de latence, mais il va y avoir 14 réponses par minute juste après. J'ai envoyé à quelqu'un justement, t'as fait le DM de maths. Pourquoi tu m'as quitté? Vas-y. Lucas, j'envoie ce que tu veux là maintenant tout de suite. Envoie, bonjour c'est orange, c'est la couleur orange. Ah, allez. Attends, c'est un appel? On m'a appelé et ça a raccroché. Attends, il a reçu un truc. Ah, c'est ma liste de courses qui est passée. Et quelqu'un juste un mot d'interrogation. Bah il m'a appelé carrément. Attends, mais rappelle-le. Ouais, allô. Bonjour. Bonjour, t'es pas Leclerc hein? C'est qui? Bah, normalement, t'es ma copine, quoi. Non. Désolé. Bah, ouais, je. Pardon pour ce moment, du coup. Au revoir. Ça marche. Ah, oh, c'est dur. Attends, j'ai reçu un message entre toi, mais heureusement, c'était après toi. Attends, mais normalement, t'es ma copine, c'est fou cette phrase. Sauf erreur de ma part, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Hein. Mais après, la meuf, elle a appelé. Ouais. Genre, elle s'est dit peut-être qu'il y a des courses à faire. Mais peut-être qu'elle allait faire quand même, hein. Tu sais jamais. Hein. Et en plus, je sais pas ce que je vais me manger là, tu vois. Bonjour Thomas. Bonjour. Il va se battre avec toi en fait. Vraiment avec des grosses patates. Non, nah, je suis pas assez méchant moi. Par contre, Clément, je te présente. Non, mais ouais, c'est bon. Je te présente Laurie. Tu fais du badminton. C'est ça. Bonjour Laurie. Faire un match de badminton. Je sais pas si c'est un match, mais en tout cas, elle va jouer au badminton. Ah, du coup, il y a 4 volants différents. Non, c'est tous les mêmes, t'inquiète. Ah d'accord, ils font tous autant mal. Ah non, déjà, je crois que t'as mal compté, c'est 5. Ah, elle en avait un dans la main en plus. 5 impacts. Comment ça, impact? Là, j'imagine qu'elle va me peut-être m'envoyer des petits volants dessus, non? Mais c'est moins drôle si t'as le suite. Oui, ah, t'as raison, après, il fait chaud. Après, c'est juste pour le confort, ça, visuel, hein. Vraiment. Putain, mais j'ai le mec, hein. Bon, vas-y, je te prends ça, t'inquiète. Bah ouais. Vas-y, t'inquiète, je m'éloigne un peu, moi, de toute façon. Ouais, je vais sortir, je vous laisse entre vous. Alors, de base, j'en dis bon match, mais bon, là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de match. Je me mets de dos? Ouais, ouais, je pense, hein. C'est là, je peux même pas esquiver, là, je suis. On peut te dire à gauche, à droite, si tu veux. Ok, vas-y, dis-moi. Ah ouais, c'est pas grave, ça. Oh, le bruit, tu sens que ça fait mal. Et encore, j'ai fait un bois, donc ça a foiré. Alors, attention. Merci d'exister. D'ailleurs, Clément, c'est elle que t'as appelé juste avant pour les courses, hein. Tu m'en veux encore pour le lait? Ah ouais. Mais ça, une paintball, c'est pareil, gros. Ah, le bas du dos. Ah, j'ai des trucs à faire après, moi. D'ici, j'ai mal alors que j'ai pas été touché. Bon, ça va, il en reste 2. Comment ça, là? Ah, mais c'est au même endroit. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Tu sais que j'ai des frissons, j'ai mal. C'est vraiment douloureux, je sais même pas si j'ai pas un... Ah oui. D'accord. Ah, les deux impacts. T'auras un petit souvenir de la vidéo. Après, ça réveille. T'avais pas mal au dos, toi, maman? Oui, si, si, ça fait du bien. Tu peux tirer un autre endroit que là. C'était le dernier. Bah merci beaucoup, c'était super sympa d'être passé. Si tu peux sortir du ring, j'ai envie de me battre. Moi j'adore cette vidéo, franchement elle est trop cool. T'as rien eu, c'est pour ça je crois. Ouais, j'adore. Merci beaucoup à toi en tout cas, et vive le badminton, hein. On est d'accord, collège-lycée quand tu faisais badminton, tu sais les montées-descentes et tout, c'était incroyable. Ok, bah je crois on va enchaîner déjà sur la quatrième manche, mais attends ça passe trop vite là, ça on est où vite, hein. On n'ose plus parler, on a tous peur maintenant là. J'envoie juste, votre train est annulé. Personne peut envoyer ça. Je sais plus quoi envoyer. Lionel Messi, j'envoie juste. Putain, ça n'a aucun sens. Putain, mec, j'ai perdu mon cerveau, je sais plus rien faire. C'est quoi ton numéro? Mais comment ça? Le monde est typeux. Venez les gars, on pose un peu le téléphone là. Ça me fait peur, ça me fait peur. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas raconté ce qui s'est passé après le premier épisode. Parce que c'est une histoire folle. Et qui m'a répondu premier degré.
C'est Lucas. Yes. C'est Lucas. Mais c'est fou. Votre train est arrivé. Mais c'est trop gros. Il est dans le train déjà. Attends, je finis l'anecdote au moins. Ok, vas-y. Et comme ça retarde surtout le truc d'après. Hein. La première vidéo, j'envoie à quelqu'un. Si ça se fait pas ce que t'as fait, appelle-moi pour qu'on s'explique. Juste ça, ok. Mais c'est vraiment pour la vanne, j'envoie ça à n'importe qui. Il me répond, c'est qui et j'ai fait quoi. Donc je réponds pas. Il me répond, ah c'est David. T'oses me dire ça. Putain, le monde à l'envers, ça craint. Remets-toi en question, Pélo, avant de dire quoi que ça soit, c'est mieux. Hein. Allez, ciao. Je vais même pas parler avec une merde pareille. Heureusement, je rembourse mes dettes sans compter sur des gens pareils. Mec, je réponds pas. Il me répond, t'étais avec un hier, appelle-moi ou réponds, t'as rien à voir. Et là, je lui réponds, hello, effectivement, je viens de voir les messages envoyés hier, désolé, c'est pas moi, David, j'ai rien à voir avec ça. J'avais trop peur, tu vois. Mon téléphone a été utilisé dans le cadre d'un tournage où les messages t'ont envoyé à des numéros au hasard, machin. Ouais, t'expliques le concept, quoi. Voilà, j'explique le truc. Et il me répond, il y a un pélo qui a pris ton tel et qui m'a dit des trucs chelous derrière, j'ai répondu sur ton putain de numéro. Donc maintenant, ton message de je m'en bats les couilles, quel dérangement, il doit des thunes et je te manque pas de respect là, donne-moi son numéro et tout. Et là, je lui explique, mais non, mais j'ai tapé numéro au hasard, ça aurait pu être un autre numéro, machin. Non, tu me la fais pas comme ça, attention, toi. Et vraiment, je lui envoie des screens de rad, j'ai envoyé d'autres messages à d'autres gens, tu vois. Et après, je l'ai appelé pour l'expliquer. Et il me renvoie après l'appel, tu te fous de ma gueule, fais pas ta vie, il me réécris pas, espèce de clochard. Mec, premier degré, c'est parti en couille. Donc toi, la meuf qui t'appelait pour les courses, fais gaffe à ce qu'elle t'embrouille pas. Hein. Je vais peut-être supprimer son numéro. Je crois que Thomas attend pour t'expliquer quelque chose. Salut Thomas. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé vos doubles de clés de chez vous là? Oui. Ouais. Bien sûr. Au début de tournage, je t'ai demandé ça. Hein. C'est ça. Là, pour vous expliquer, avant le tournage, Thomas nous avait demandé de ramener avec nous les doubles de clés de nos appartes, mais sans nous dire pourquoi. Et comme on joue le jeu pour la vidéo, évidemment, on l'a fait, même si c'est assez flippant. J'ai l'impression que ça me fait plaisir que ce soit pas moi. Il a mis en vente notre appart. Alors que je le loue, hein. C'est ça qui est très fort. Hein. Donc Lucas, t'as perdu. Donc je pense que tu peux appeler Jordi en FaceTime pour peut-être voir où est-ce qu'elle est, parce que la terre a été là, peut-être qu'elle est quelque part. Oh, dinguerie. Dans ton appartement, par exemple. Attends, il fait fort le petit Thomas. Mais Thomas, son regard de fou. Mais là. Non. Là, je l'appelle maintenant, là. Ouais, vas-y. Je l'appelle en FaceTime. J'ai tellement hâte de voir la tête de Jordi. Bonjour, Jordi. Attends, quoi, wesh. Elle est chez moi. Mais frère, c'est mon appart. Attends, quoi, mais tu fais quoi? C'est une surprise. Jordi, ça me fait hyper plaisir de te voir ici. Ouais, on est content. Hein. Eh, ça, c'est mon canapé, ça bouge de là. Il est bien rangé, mon appart, ça va? Elle est pépère. Attends, pour l'instant, de quoi tu vas faire quoi là? Bah, je sais pas, il paraît que t'as perdu quelque chose. Mes clés? J'ai perdu mes clés, ouais, je crois que c'est toi qui les as. Bah, tu verras bien quand tu vas revenir la surprise. Hein. Tu me rappelles quand tu fais tomber l'armoire? Attends. Mets tout par terre, je mange, c'est tout. Allez, salut. Mec, ça fait flipper là ce qui se passe là. J'adore son sourire. Non, ça me fait peur. Hein. Tu te fais massacrer dans le titre, hein, je crois, de la vidéo. Donc, dans les parenthèses, il y a marqué et on refait le placo. Je rigole alors, quand même, je rigole pas. Bon, bah, on continue. Ouais, on peut continuer. Ouais, je continue pas sereinement le tournage là. Bon, bah, cinquième manche, les amis, c'est parti, let's go. Venez, on n'envoie pas de message, juste on attend pour l'instant ceux qu'on a envoyés. Clément, est-ce que tu peux nous parler juste du confort de ça, juste? Vous voyez les sièges gamers, tout ça? Ouais. C'est nul à chier comparé à ça. C'est incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi confortable que ça. Les boxeurs, vous êtes Gucci. C'est incroyable. C'est tellement confortable. Là, je peux tester vite fait pour voir. C'est aspiré, tu t'endors direct quand t'es là-dessus. Instantané, ouais. Ping. Non, je rigole. Et c'est le moment, ça peut être très long là. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la France, il est en train de prendre son tel. Il a vu le message de Clément, il est en train de répondre là. Et là, maintenant, il a une réponse maintenant. 3, 2, 1. Et ça sonne chez toi. Voilà. Non, il cherche la formulation pour l'instant, il met les virgules, ouais. Et tout, tu vois, la syntaxe. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. On fait un Shifumi, celui qui perd, il renvoie un truc. C'est malheureusement une très bonne idée. Attends, mais comment on fait un Shifumi à 3? Bah, attends, je le fais pas, vous le faites. Bah, non, c'est con, là, je pense, c'est douillé pour le coup. Hein. Attendez, les gars, je viens de recevoir une photo de l'appartement de Lucas là. Waouh. Attends, on arrête tout là. Vas-y, Thomas, fais-moi rêver. Oh non. Mais frère, c'est... Oh, oh. Attends, mais en plus j'ai une notif en même temps. Mais c'est trop, hein. Mais c'est trop, ce qui se passe. Deux mauvaises nouvelles en même temps, mais c'est fou. Attends, remonte mon appart. Attends, mais quelqu'un, mais gros, il y a un cataclysme. Il s'est passé quoi? Bah, il y a Jordi, quoi. Oh, le canapé. Attends, mais le canapé, il est en mode levée de roue. Il est en Y, bon, qui est tout ça en Y. Ah, mon trophée YouTube, il est dans la poubelle. Il va puer la mort. J'ai pas sorti la poubelle depuis une semaine, gros, il va puer la mort. Et en plus, je vais te garder que j'ai perdu encore le... Ah oui, chaud pour le message au final. Attends, désolé, il doit y avoir erreur de destinataire, j'avais envoyé quoi? T'as fait le DM de Matt. Moi j'aurais un peu le seum à ta place, je pense. Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Mais mec, c'est fou. Ouais, c'est une vidéo solo, c'est un facecam que j'aurais pu faire. Hein. Vous êtes là, les gars, mais si je prends tout. Oh, vous savez que le premier épisode, en vrai, je perdais pas trop. C'était Léonard qui avait beaucoup perdu. Ouh. Oh. Ouh. Mais je suis deg là que maintenant, à deux minutes près. J'ai perdu ma brosse à dents, là, tu vu. Si t'inquiète, elle est dans le lave-vaisselle. Oh, elle est bien, en plus, la réponse. Ouais, elle est bien. Oh, je suis trop deg, face sa mère. Attends, quoi? Poil à gratter. Là, tu vois, je pensais que c'était juste de l'eau. Tiki a gratté, pas poil à gratter, tu t'es trompé, mec. C'est extrêmement dur. J'avais vu des glaçons de l'eau. Attends, je sais pas si les gens ils ont vu. C'est un seau d'eau gelée comme ça avec beaucoup trop de glaçons d'ailleurs. Mec, tu sais que ça, attends, mais genre, on sous-cote ça. Mais mec, la douleur que ça fait, je vois que c'est insane. Donc, force à Vincent quand même, parce que c'est trop chiant, mec. Hein. L'enveloppe, c'est le truc qui me met plus la pression. Peut-être tu peux la gratter en plus? Qui les veut? C'est cadeau dans la salle, y'a des gens ou pas? Elle est pleine, mais personne veut les chaussettes, hein. Oh, sa mère! Ça, c'est moment bonheur, ça, un peu. Ah, mec, c'est horrible. Ça réveille mes morts sur 8 générations, là.
Mon arrière-arrière-arrière-grand-père s'est réveillé là. Ah, sa mère. Ah, je vous jure, j'exagère pas du tout, ça fait trop mal, sa mère. Ça, j'ai jamais testé. Attends, tu mets où dans l'eau? Je suis déjà comme ça, hein, alors qu'il s'est rapassé. Vas-y, hein. T'as quelle vidéo à la con? Attends, mais pas trop, tu sais pas les doigts, tu sais. Ouais. Tu sais pas les doigts, tu connais pas. Je me rends pas compte à quel point ça peut être chiant, ça. Ok. Là, normalement, tu fais comme ça, là. T'appuies un peu, ça va commencer à chauffer. Ah, frère, c'est trop, je te jure, les pieds, c'est horrible. Vas-y, on revoit des messages. Comme ça, je pense à autre chose, là. Ah, putain, oui, je commence à sentir dans le dos, là. T'es mal la dégaine que j'ai, là. Ah, bon, je pense à rien d'autre. On envoie des petits messages, là. C'est fou de trembler autant, mec. Genre, c'est ignoble. Avec tout. Mec, c'est trop. Ah, les pieds, c'est ignoble. Attends. Ah, mec, je vais mourir, je te jure, c'est trop. Ah, ils sont rouges, gros. Ils sont rouges et blancs en même temps. Bon, c'est reparti. Et par contre, j'ai toujours ce truc-là, là. Ok, les amis, on va arriver du coup sur la dernière manche, le dernier message. Oh, venez, attends, on remet les téléphones comme ça si jamais on a une réponse. Parce que moi, en vrai, je l'ai eu une demi-heure après le dernier message là. Donc autant on aura des réponses. Donc là, c'est la dernière manche, on touche plus à rien, c'est roue libre. Là, je l'avoue que je suis stressé de ouf. Je me dis, il y a forcément une justice. Tu vois, à un moment. Ouais, j'avoue. Mais bah, ouais, je peux pas perdre 5 trucs sur 6, en vrai, c'est trop. Après, j'en ai pris qu'un. Ah, t'en as pris qu'un. Eh ouais. C'est toi qui as tout pris en fait. Ouais. Ah ouais, je suis excité parce que j'ai l'impression que ça va pas être moi et que c'est impossible. Mais ça me tombe dessus. Je suis vraiment stressé. En fait, ce qui est ouf, les gars, c'est que la vidéo, quoi qu'il arrive, après, elle se finit pour vous. Moi, j'ai un appart à aller voir, à aller pleurer devant et puis tout ranger quoi. Bah je pense déménage directement. Franchement ouais, change. Ouais. Hein. Et si la proprio elle voit la vidéo, mec, je suis finito. Vas-y, je pense pas à ça, je me concentre sur la suite là. Les gars, renversez surtout pas du whisky là-dessus parce que pas d'alcool au volant. Oh, elle est bien, elle est bien. Ouais. Oh, il était bien maîtrisé là. Il était pas mal, il était mieux que les autres. Oh, le deuxième, il était trop bien. Mec, j'ai trouvé une nouvelle passion de vie, je vais faire ça chez moi en rangeant mon appart. Ok, on va faire un test les gars. Et là, ce qui va se passer, c'est que je tombe et tu me rattrapes. Ouais, bah non, du coup, c'est con. Bah non, c'est très con. T'as pas eu me blesser, gros. Merci les vrais potes, hein. Bon, les cocos, ça répond pas, hein. Bah, je crois pas, hein. Putain, mais toi, tu vas te le manger le dernier, je pense. Et tu sais quoi, tu te le manges maintenant dans 3, 2, 1. C'est dommage, ça aurait été stylé. C'est con, mais j'ai eu un stress. Ah ouais? Ouais, je sais pas. 3, 2, 1. C'est le mec qui sonne, je pleure, gros. Tu vois, il y a ce truc de on sait jamais. Moi, je pense qu'on devrait envoyer un seul message. On en renvoie un seul maintenant. Le même, tous. Ok. Au même numéro. Oh, en vrai, ça peut être marrant. Ah ouais, à qui répond en premier? Attends, on envoie quoi? On envoie tous, réponds-moi. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Mmh. Ok. Par contre, c'est vrai que c'est flippant. Hein. T'as 3 fois le même message comme ça, désolé à cette personne. Hein. Eh, vous savez qu'aussi, suite à la première vidéo, il y avait une personne d'un certain village qui nous avait appelé. Et le village avait fait un article là-dessus de presse. Je vous mettrai le screen là, vraiment. C'est genre une habitante de tel village s'est appelée par un youtubeur et je me suis dit, c'est fou qu'il y ait un article pour ça, tu vois. Bon, bah on s'est tout dit, je crois. T'aurais dû prévoir, je sais pas, un petit bowling et tout entre les parties, quoi. J'essaie de me gratter le dos comme je peux, les gars, mais c'est un peu bizarre du coup. On renvoie des messages? Ouais, un message, mais un numéro différent, quoi. Non, on renvoie un message à chaque fois, là. On fait. Oh ah, let's go! Let's go, maman, on dit ça! J'aime trop! T'as reçu quoi? Oh, je suis dévasté. T'as reçu quoi? Salut, mec, t'es qui? Oh, juste sur le pire message, j'ai envoyé salut mec. Une heure et quart après, quand même. Yes! Oui! Ouais, c'est le rituel de ces vidéos, c'est tout le temps celui qui a rien, il perd à la dernière manche. Ah ouais, mais c'était sûr, je l'avais dit, c'est pour info, je pense que c'est la pire. Bah, c'est la dernière, donc je pense. J'adore cette vidéo d'un coup. Thomas, il se passe quoi? Il se passe quoi, mon bro? Ouais, ça, ouais, Thomas, ouais. Putain, je te kiffe, mec. Je te propose qu'on accueille Yacine, coach de boxe, boxeur. Je vais faire un peu de place, moi, hein. Je range un peu au cas où, hein. Ça, Yacine, tu vas bien? Ça va, les gars. Un peu de boxe, les gars, ou pas là? On est quand même sur un ring, fallait quand même utiliser le ring pour sa vraie utilité, non? Pourquoi t'es en pression là? Ça va, oh. Mais oui, ça va bien se passer, t'inquiète. Oh, j'adore cette phrase. Les gars, restez avec moi au pire. Non, mais j'ai un appart à ranger et tout, tu sais. Waouh, ok. On va mettre un petit casque quand même au cas où. Ouais, mets-moi un casque. Tu te sens rassuré avec le casque? Ouais. Tu veux ma doudoune, gros? Je suis chaud, hein. Bon, je vous laisse. Salut. Allez. Déjà, il sent que je vais pas le toucher, il met pas de casque. Allez. Ok. T'es en garde là? T'es droitier ou t'es gaucher? T'es droitier ou t'es gaucher? Je suis droitier. Ok, mets-toi. Voilà, mets-toi comme ça. Voilà. Allez, voilà. T'es bon, vas-y, mets des. Ok. T'as dit quoi sur Yacine tout à l'heure? On va s'en rester. J'ai dit qu'il était très gentil. Ok, protection. Les patates qui se prennent. Oh, mais c'est quoi cette lutte là? C'est plus de la boxe, ça fait. C'est de l'échappatoire là. Oh wesh. Il met des coups aux gens qui peuvent pas se défendre. J'ai l'impression d'être au ciné là. Wow. Ok, on y va les gars. Oui. Regarde Vincent, regarde. Oh oui. Oh. Voilà. Et nous, on regarde ça comme des connards. Oula. Oh, les patates réelles. Mais des vraies patates, par contre. J'entends le bruit des os. J'entends le bruit des os ici, là. Ça va, les gars. Je suis en pleine forme. Merci, mec. Ah, mais c'était bien. Hein. Bravo, Yacine. Yacine Masterclass. J'ai adoré le spectacle. Les amis, Yacine le gros frère sur Instagram. D'ailleurs, c'est le meilleur surnom. D'ailleurs, Yacine le gros frère, c'est fou. Et qui est même dans le clip de Petit Voyou, le dernier. Mais oui. Merci beaucoup, Yacine. Hein. Merci à toi, Lucas. Bah écoutez, je crois qu'on a. Ouais, c'est bon. Hein. Je crois que c'est bon, là. Je crois qu'on arrive au terme des 6 manches. Les amis, j'ai adoré cette vidéo. Enfin non, justement. Ouais, toi, t'as vraiment souffert pendant tout le long. Ouais, moi, j'ai plus regardé
regarde avec Subi, donc c'était un plaisir vraiment. Oui, moi, j'ai perdu 4 fois sur 6 et surtout les amis, reste la séquence où j'ai découvert chez moi là. Je viens de rentrer chez moi là et du coup derrière cette porte, il y a a priori le cataclysme. Rien que sur la photo, ça m'a fait trop peur, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière, mais les amis en découvrent en même temps. Et... oh putain de sa mère. Ah oui, attendez, ça fait beaucoup plus peur en vrai en fait là. Oh ouais, mais en plus sur la photo je voyais pas partout, mais regardez là. Mais wesh, il y a des coussins ici. Les amis, je vais passer. Oh mais ah ouais, j'avais pas vu ça là-bas. Mais il y a mes fringues sur le décor, j'avais pas vu ça non plus sur la photo. Le trophée, attendez. Les amis, le trophée, premier truc que je fais, hein. Sortir le trophée d'ici. Oh il pue. Oh il pue le trophée. Il y a la tempête Jordi, l'ouragan Jordi qui est passé, ça c'est vraiment pire que tout. Hein. Merci les notifs. Hein. Allez c'est parti, on range, hein. Je sais pas par quoi commencer. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe, c'est bon, tout est rangé à peu près, attention. Hein. Et si je peux vous donner un peu une morale à tout ça, simplement, c'est faites attention aux tempêtes d'appartement. C'était très chiant, c'était très long, j'ai pris aucun plaisir, mais à part ça, ça va, c'est cool. Maintenant, retour dans le passé pour l'outro de la vidéo avec les autres, c'est parti, let's go. Écoutez, merci les gars d'être venus en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invite, hein. On a kiffé. Hein. Les amis, ce que vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on va essayer d'upgrader encore plus, cette fois-ci je perdrai pas, j'espère. Merci à tous les intervenants de la vidéo, leur Insta évidemment en description, n'hésitez pas à aller checker ça, bien sûr. Merci Vincent, merci Clément, vous êtes les boss, les gars. Ah, merci Lucas. Évidemment leur chaîne YouTube aussi en description, allez checker ça les frérots. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir les amis. Merci aussi à Thomas bien sûr. Les amis, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Ciao. Let's go.